Que le Seigneur bénisse tout à chacun de nous. On n'a pas de la mort comme on a vu. Que Dieu te bénisse, toi qui as chanté pour lui. Amen. Amen. Que Dieu te fasse du bien. Nous allons faire la lecture de nos textes. Après, nous allons chanter les cantiques de victoire. Je me presse sur la route du ciel. Nous prenons notre livre des Hébreux, chapitre 3. Je vous candidate la mission, on va aimer mon capitaine Santo. Le frère Josué va nous aider avec la lecture. Les voyages à montagne la mission. Prenons même le verset 7 jusqu'au verset 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Hébreux 3, verset 7. Descendons, lisons. C'est pourquoi, Yangoana, selon ce que tu le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte, les jours de la tentation dans les déserts. Où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Et il vit mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération. Et j'ai dit. Ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voix. Je gérerai donc dans ma colère, ils n'atterront pas dans mon repos. Prenez garde, frère. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Et de mon côté, quand tu n'as pas de azanamote maman, pépé, il y a kokanamote maman, il me soit de l'obanzambé. Au point de se détourner du Dieu vivant. Qui n'a comme un apoti kanzambé à Kendanaïe. Mais exhortez-vous les autres chaque six jours. Asi pomoti kanzambé te, bolembi sanaba moko pe basusu mikolo nyonso. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, mikolo nyonso yo bakoki kobenga yango lelo. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. De mon côté, quand tu n'as pas de temps, tu n'as pas de temps, tu n'as pas de et bien qu'à moto. Chapitre 4, le verset 1er à 3. Et puis nous allons lire le verset 7 à 11. Craignons donc, pour Bangani, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Prêtez la caille à cocotte à la bouteille en zambé, et Zalina inokaka na makasina. Aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Mon côté katinabino a dit maloko la motoye si manantango. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'aïe. Prêtez sango malamu ya cocotte à la boca bouteille, et l'obéla et pesame la kabango. Mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'attendaient. Pour nous qui avons crié, nous entendons dans les réponses. Selon qu'il dit, voilà qui s'enlève le verset 7. Le verset 7.
Dieu fixe un nouveau jour aujourd'hui en disant longtemps. Dans David, si longtemps après, comme il dit plus haut, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endissez pas vos cœurs. Car si Josué leur a donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Comme Dieu s'est reposé des siens. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Avec personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Corinthiens 10, verset 1 jusqu'au verset 7, nous disons. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez ce que nos pères ont tous souhaité sous la nuée. Et qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous souhaité baptiser à Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils vivaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Avec nous n'ayons pas de mauvais désirs. Comme ils en ont eu. Mais devenez pas idolâtres. Comme quelques-uns. Selon qu'il est écrit, le peuple est assis pour manger. Et pour boire, puisqu'ils se levèrent pour se divertir. Que le Seigneur bénisse la lecture. Nous allons chanter un tout petit peu. Voyez maman mon cœur. Et puis nous allons parler de la parole de Dieu. Et puis tout coloba, vous n'avez pas une ensemble. Après nous allons prier. Et puis la cima tout ressemble là. Je crois que le Seigneur est au milieu de nous. Dans une image de colo azali katnabison. Vous croyez aussi ainsi? Binope londini amo. Que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse. Tu vas connaître ce qui se passe la bino. Passe-moi, Seigneur, au lieu plus
merci. Nous te demandons seulement une chose, Seigneur. Le Seigneur, quand il est au commun, et nous fortifier, Seigneur, en ce moment. Et de régner, Seigneur, dans cette salle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Demande grâce. Amen. 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 Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je crois que la joie du Seigneur est au milieu de nous. Manifestons-la par les acclamations. Le Seigneur vous a considéré parmi beaucoup de gens sur la terre. Il vous a donné l'honneur parmi beaucoup de gens ici sous le soleil. Parce qu'il a permis que vous soyez encore aujourd'hui dans sa présence. Je vous dis que cette opportunité n'est pas donnée à tout le monde. Il y a des gens qui se réveillent le matin et demain ils prennent la résolution de ne pas aller à l'église. Ce n'est pas eux-mêmes, mais c'est seulement que le Seigneur n'a pas permis qu'ils viennent devant sa présence. Parce que c'est devant la présence du Seigneur que nous avons tout. C'est devant la présence du Seigneur que nous ne manquons de rien. Les chantres dans la Bible l'avaient compris. Ils avaient dit, m'approcher de l'Éternel, c'est pour mon bien. Il a dit, heureux cela que tu admets dans ta présence. La joie, c'est être devant la présence du Seigneur. Quand le Seigneur permet que tu sois au devant de lui, je te dis, bien aimé, en vérité, c'est une grâce. Il y a beaucoup de ceux-là. Maintenant, pendant que nous sommes en train de parler, ils sont dans des hôpitaux. Ils sont dans des comas. Ils sont dans des cas qui sont critiques. Mais le Seigneur ne l'a pas permis dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu es spécial de toi-même, non. Non, c'est le Seigneur qui t'a considéré bien-aimé. La vie, l'être, le mouvement, toutes ces choses-là viennent du Seigneur Jésus-Christ. Il y a de ces gens-là maintenant. Leur famille attend seulement qu'ils puissent remuer même le doigt. Ils veulent seulement entendre même cette nouvelle-là là où ils sont. Mais le Seigneur ne les permet pas encore. Mais toi, tu danses pour le Seigneur. Toi, tu chantes pour le Seigneur. Tu te déplaces calmement. C'est la grâce de Dieu. Il faut reconnaître le Seigneur dans toutes tes voies. Si tu es en bonne santé, reconnais la grâce du Seigneur dans ta vie. Nous ne pouvons rien sans le Seigneur. Il avait dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien faire, bien-aimé. Le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Il faut le croire dans ta vie.
si tu vis jusqu'à maintenant, tu vis pour le Seigneur. Si ça dépendait seulement des hommes, ce qui est là, il t'aurait effacé sur la terre. Parce que parfois tu es trop gênant pour eux. Parce que ta tête là ne leur plaît pas. Personne à toi ne plaît pas aux gens du monde. Et c'est ne plaît pas aux gens de ta famille. Et c'est heureusement, ta vie ne dépend pas de toutes ces personnes-là. Ta vie dépend de Jésus-Christ. C'est lui qui te conduit. C'est lui qui te connaît. Et c'est lui qui t'amènera là où il a destiné pour toi. S'il y a des obstructions, c'est lui qui va les enlever tous. Même s'il y a des barrières, c'est lui qui va les enlever toutes. Parce que c'est lui qui marche avec toi et toi tu n'es pas seul. Et puis il y a des côté. Tu es un homme heureux. Nous sommes un peuple élu de Dieu. Nous allons libérer pour les minances. C'est pourquoi il faut toujours considérer la présence du Seigneur Jésus. Toujours écouter l'enseignement. Un jour, lorsque le peuple est arrivé dans le désert, et saisi par la convoitise, ils ont dit à Moïse, nous sommes fatigués de la manne. Nous sommes fatigués de manger toujours la manne. Nous voyons comme si nous allons mourir ici au désert. Mais en Égypte, là-bas, nous mangeons bien. Là-bas, il y avait des concombres, des poireaux et des oignons. Nous mangeons bien. Nous emmenons ici pour nous faire mourir. Moïse s'est rendu devant le Seigneur. Il lui a dit, Seigneur, Yahweh, pourquoi tu m'attristes? Pourquoi tu m'attristes? Pourquoi tu me permets de voir toutes ces choses? Pourquoi la charge de toutes ces personnes ici, tu les mets sur moi? C'est moi qui ai conçu ce peuple. Est-ce que c'est moi qui ai enfanté ce peuple? Pour que tu me dises, prends-le, sois maman, porte-le sur ton sein. Depuis la fondation du monde, c'est Dieu lui-même. Fondé par la parole de la vérité. Il va nous porter comme un petit enfant. Et puis nous emmener là-bas dans le désert. Et puis je te dis, les gens peuvent te voir sur la route. Jalousement comme une nourrice. Personne ne te touchera bien aimé. L'image se fait avec Dieu lui-même. C'est Moïse lui-même qui l'avait révélé. Parce qu'il était un pasteur qui est fidèle. Même si on l'avait placé là-bas, Il y a quelqu'un qui avait construit ce peuple ici. Il
quelqu'un qui l'avait enfanté. Et c'est lui qui doit les porter. Il doit pouvoir à leurs besoins de tous les jours. Jésus seulement là pour exécuter ce qu'il me dit par rapport à son peuple. C'est pourquoi je vous rassure, bien-aimés. Le Seigneur prend soin de vous. Le Seigneur va vous satisfaire dans tous vos soucis. Le Seigneur veille sur votre vie. Personne ne peut rien contre vous. Si vous êtes le peuple de Dieu, parce que vous êtes le peuple de Dieu, vous êtes très précieux à ses yeux. Il appelle son peuple son héritage. Sa part qui est à lui. Il ne les aide à personne. Il est très jaloux de ses âmes. Alors le Seigneur vous fera grâce. Tout qui croit en cela reçoit la grâce de Dieu au nom de Jésus. Le Dieu de grâce et de miséricorde. Amen. 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 On parlait sur notre thème. La promesse d'entrer dans les repos de Dieu subsiste encore. Et la paix cocotte la copie et ça n'a vu. Là-bas, qu'est-ce qu'on avait vu? On a dit comment la la marche s'était passée dans les déserts. Le col est appelé l'état qui n'a dit sauvé. Aujourd'hui aussi nous sommes dans la marche. Et puis l'Europe est dans la carte des tambouli. Et la marche du passé. Mais état et c'est les gars. C'était l'image de la véritable marche d'aujourd'hui. Et là qui est l'ingi et ils étaient sortis de l'Égypte pour aller dans le pays de Canaan. Ils devaient passer par les déserts. Amen. Amen. Nous aussi, quand nous avons les sons, il y a trop de bruit. Nous aussi, nous sommes venus du monde. Le Seigneur nous a rachetés. Le Seigneur nous a sauvés. Nous faisons la marche dans la foi. Et pour aller posséder les pays de la promesse. Mais on nous dit une chose. Faisons très attention. Parce qu'il y a eu cela dans le passé. Ils ne furent pas agréables à Dieu. Conduite n'était pas agréable à Dieu. Alors, le Seigneur a fait tomber tous ces gens-là dans les déserts. Nous aussi, faisons attention. Et nous ne puissions pas donner les mêmes exemples d'obéissance. Et nous puissions marcher dans l'obéissance. Et que aujourd'hui, Dieu fixe de nouveau un jour. Où il promet les repos aux saints. J'aimerais dire ceci. Quand on dit aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui le dimanche. Aujourd'hui du premier jour de la semaine. Aujourd'hui, c'est tout le temps prophétique de la grâce. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui. On dit ceci. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il est le même. Aujourd'hui éternellement. Ce n'est pas samedi. Mais c'est le temps de l'ancienne alliance. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il est le même. Dieu de l'ancienne alliance. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi on a dit. Il y avait un rocher qui me suivait dans le désert. Et ce rocher-là, c'était Christ. Il est le même hier.
de la grâce. C'est le temps de la grâce. Et dans les temps où il y a mon Dieu. C'est ça l'aujourd'hui. Il y a mon élève. Après le temps de la grâce. Et puis dans six matins où il y a mon Dieu. Il y a l'éternité. Et ils allaient dans ce qu'on a ce qu'on. Éternellement. Et ce qu'on a ce qu'on. C'est pourquoi. La latine en amour. Aujourd'hui on nous dit. Les gens ont besoin de sa. Si vous écoutez sa voix. Si tu veux dire que mon moment n'a rien. Si ce n'est pas vos cœurs. Et ils s'habitent. Aujourd'hui aussi on nous a fait la promesse. Et puis les lampes à salé du ciel là-bas. Elle n'est pas en dessous les cœurs. Et de l'été m'a dit c'est comme un désir. Ces gens-là. Pas de bateau en avant. Ils avaient en dessous leur cœur. Bah moi, l'été m'a vraiment comme un titan. Ils n'ont pas marché avec Dieu avec la foi. Bah t'as malé qui nous a metté dans la condition. C'est pourquoi le Seigneur les a fait périr dans les déserts. Mais moi, quand on a mis la main à tête, j'allais sauver. Toute la marche d'Israël. Vous avez dit, étant malé, non, ça va l'Israël. La marche d'Israël. Et dans le pendant 40 ans, est représenté aussi comme le temps de la loi. C'est le temps de la loi. Où Moïse, c'est était l'image de la loi, les conduisait. Oh, avec Aaron, était l'image du sacerdoce lévitique, les conduisait. Ce temps-là a pris fin. Et tant mon temps on est là qui. Vous avez remarqué que Moïse doit mourir. Et beaucoup de choses là que Moïse a beaucoup fait. Pharaon aussi doit mourir. Alors on a pensé que la pour marquer la fin du temps de la grâce. On a compté les temps où il y a super mauvais. Alors Josué va se lever. N'avons rien sur côté. Oh mais l'image de la grâce. Et quoi les lignes en Moïse pour faire entrer le peuple dans Canaan. Vous avez remarqué. Quand vous lirez les livres des Hébreux, on parle des hommes qui avaient la foi. Qui a marché avec Dieu. Oui, c'est par la foi telle. C'est par la foi telle. On dit c'est par la foi que Dieu est venu les visiter. Et la en Égypte. C'est par la foi qu'ils y volèrent la Pâque. Et c'est par la foi que Moïse est sorti sans avoir peur de la colère de Pharaon. C'est par la foi qu'ils ont marché. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge. Et directement. C'est par la foi qu'ils célébrent la Pâque dans Cana. On a sauté toute l'étape là du désert. C'est lui qui écrivait les livres là des Hébreux. Avec le Saint-Esprit. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi qu'il traversait la mer Rouge. Directement, il a sauté l'étape du désert. C'est par la foi qu'il s'immolait la Pâque. Directement, il parle de la Pâque de Josué là-bas dans Cana. Et puis, la Pâque de la Pâque de Josué dans Cana. Il montre que toute l'étape là du désert. Et pour la Pâque de Josué, il est connu à l'Isomène. C'était l'étape de la loi. Et là, qui est le Koyamoubé? Cette génération-là n'a pas obéi à Dieu. Oui, puis qui t'a demandé tout ce qu'ils ont dit. Parce qu'ils n'avaient pas la foi. Et nous aujourd'hui, et puis sur les noms, le Seigneur nous fait une promesse. Et quand on peut s'habiller la caméra, si vous écoutez ma voix, dit ce qui va être mon nom à la main, si ce n'est pas votre cœur, voyez, ça m'était ma vie de présenter. Un exemple, parce que nous avons pris un exemple. Qui c'est que vous avez dit dans 1 Corinthiens 10, dans mon canal, la colline de mon caponation, vous êtes en train de nous montrer. On a des copains à l'oeil, ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont marché sous la nuée. Amen. Amen. Ils ont marché sous la nuée. Madame Lakina Sialipata. Ils étaient baptisés en Moïse. Et la mort a baptisé la Kina Zelamos. Ils ont mis un même breuvage spirituel. Ils ont mangé aussi les mêmes aliments spirituels. Mais il y a une certains parmi eux qui ne prient pas à Dieu. Alors Dieu les a fait périr. Et là on cite un exemple. On dit les saints étaient des idolâtres. Et ils
ont abandonné le vrai Dieu. C'est pourquoi le cadavre aussi est tombé dans les déserts. C'est pour nous dire aussi aujourd'hui, nous ne devons pas être idolâtres. Mais comment cette chose-là s'est passée? Moïse est monté dans la montagne. Dieu l'avait appelé pour lui donner des choses concernant les tabernacles. Est-ce que vous me suivez? Le Seigneur l'a appelé. Quand il est parti, le peuple qui est resté au bas de la montagne, ils ont vu que Moïse est tardé. Ils ont dit à Aaron, qu'est-ce qu'ils ont dit? Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte. C'est Moïse là. Il est parti. Et nous ne savons ce qu'il est devenu. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Alors Aaron leur dira, donnez-moi tous les pendants d'oreilles. Tout ce qui est comme des bijoux que vous avez sur vous et sur vos enfants. Il a pris toutes ces choses-là. Il a fabriqué le veau d'or avec. Il a dit, Israël, voici ton Dieu. Il t'a fait sortir du pays d'Égypte. J'ai toujours dit, l'enseigne, ce n'est pas les paroles d'Aaron. Parce que les paroles d'Aaron doivent aussi être appliquées à Elohim, le Dieu d'Israël. Mais le problème, c'était ce qu'Aaron leur présentait comme le Dieu rédempteur. C'était le faux d'or. C'était une idole. Alors, sur cette idole-là, ils ont immolé des sacrifices. Ils ont fait la fête. Ils ont dansé. Directement, Dieu a dit à Moïse. Il a dit, le peuple que tu as fait sortir de l'Égypte s'est détourné. Vous voyez ces gens-là? Ils étaient tombés dans les déserts. C'est à cause de l'acte qu'ils avaient fait. Et si je voulais parler de quelque chose, ils ont pris leur boucle dorée et leur chaînette qu'ils avaient. Ils ont donné cela pour qu'on puisse fabriquer le veau d'or. Maintenant, David viendra chanter ce qui s'était passé là. David dira, les enfants d'Israël, le mouvement qu'ils avaient fait, le mouvement qu'ils avaient fait, la chose qu'ils avaient fait, de leurs bijoux, leurs ornements, toutes ces choses-là, fabriquer les faux d'or. Ils ont changé leur gloire à l'image d'un bœuf qui mange de l'herbe. La chose qui était sur leur corps, c'était la gloire de Dieu. Ils ont perverti cela. Ils ont abîmé cela. C'est devenu le faux d'or. C'était des choses qui étaient sur leur corps. C'était des choses que Dieu avait dit. Ils avaient dépouillé les Égyptiens. C'était comme les dons de Dieu. C'était comme la grâce que Dieu leur avait faite. Ils se sont pervertis.
abandonné l'Éternel. Ils ont choisi les idoles. Parce que les choses qui étaient sur leur corps représentaient la gloire de Dieu. C'est pourquoi Pierre prêche la parole. Il dit aux femmes, il dit, n'ayez pas cette parure-là extérieure. Vous allez atteindre la commande, vous allez manger. Consiste en des bijoux. Vous allez la continuer à ma bijou. En des perles. La continuer à ma chenelle. À tout ce qu'il y a qui attire l'extérieur. La bonne Dieu se commis à ta libanda. Et vous les femmes. Abibino, les femmes chrétiennes. Merci, ma. Vous ne devez pas avoir ces choses-là sur vous. Est-ce que vous devrez avoir un esprit doux? Et vous allez en votre modéré. La vie de Dieu là en vous. Et pas que la vie de Dieu en vous. Soumission. Écoutez ce qu'il dit. C'est ce qui est un grand prix devant Dieu. Il représente tous ces bijoux-là comme la gloire que Dieu voit maintenant sur les femmes. Et bien, il y a tout à l'heure ces bijoux-là, nous savons que tel mot, il y a pas de mal, c'est pas la même. Si vous voyez Dieu, ce qui va mal, c'est prendre de l'or. Assurons-nous. Il met sur l'oreille. Attirons la litonie d'une femme. Il y a moi, si il permet qu'une femme l'aille. Copé, après, si tu dis ça, moi, c'est à ça, non. Hein? Hein? Cela veut dire quoi? Il y a la Bible explique cela. Il y a son livre de la une oreille docile. Le bol est lito yoyo. Et yo kaka. Lito yoyo et yo kaka. Alors, il y a un licambo. Ce qui va le mener à un licambo. Donc, elle obéit. Mais lito yoyo est tout ça. C'est pourquoi dans l'ombre. Et dans la tine à la est représenté par l'anneau d'or sur l'oreille. Il y a un bataille sa maquine. La colère t'a dit, je n'ai pas d'alibi. Ils prennent ça. Ils changent cela en une idole. Cela veut dire qu'ils deviennent incrédules. Ils deviennent incrédules. Parce que c'était les dons de Dieu. Ils n'ont pas reçu ça de force. Alors tu as frappé les premiers nœuds. Écoutez, ça m'a dit mon ami. Les maisons des Égyptiens. Madame, la mère, quand on va dans l'Égypte, qu'est-ce que vous faites? Il est là. Maman, on est là. Là-bas, les gens sont en train de pleurer. Écoutez, ma tante, elle est là. Il dit, maman, nous partons. Ah, mais maman, ils sont en train de t'aider. Nous partons déjà. Ils sont en train de t'aider. On est pressés, on doit partir. Ils sont en train de t'aider. Maman, on va bijoux, on va maman, on peut s'arrêter. Hein, les bijoux que tu as là-bas à la maison. Eh, ma bijoux, on a un mot là. Tout ce que tu as là, je suis pressé. Nous sommes en moyen d'aller. Ils n'ont pas regardé les deuils. C'était la grâce de Dieu. Il y a moi là qui m'a lu à sa mère. Ces Égyptiens étaient devenus faibles. Moi qui m'a donné l'Égypte, tu m'as comment tu pétais. Arrivé au désert. Parce qu'on commence à l'Égypte. Ils ont pris ce que Dieu leur avait donné. Bah, si on s'en va après ça qui m'a dit. Ils ont transformé ça en faux don. Bah, bon, mon lit à moi, il y a quelqu'un qui m'a dit. Malheureux. Il y en a qui m'a remis. Ces choses-là, frère. Puis là, quoi, on a un déco. On ne peut pas rentrer dans la fabrication du faux don. Concernant les tabernacles. Et là, tu dis que pas la pour ton maman. C'était comme la grâce de chacun. Il y a qui à mon la contribution de chacun dans l'érection du tabernacle. Ouais, mon la maman ça. Tu es venu, tu allais demander ça. Mais à vous allez demander ça, 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 ça. Vous allez demander ça, vous allez demander. Vous allez demander. Vous allez ils sont allés fabriquer les vaudors. Avec ça. Cela veut dire qu'ils ont abandonné la crainte de Dieu. Ils sont devenus incrédules. Alors, ils sont allés servir cela dans les cultes véritables de Dieu. Ils sont devenus incrédules. Ils ont perverti la grâce que Dieu leur avait donnée. La gloire que Dieu leur avait donnée.
Alors ils sont pervertis. Amen. Voilà pourquoi on nous dit. Je vais chuter par ici. On nous dit dans l'Hébreux chapitre 10. On nous dit ceci, bien-aimés. Hébreux chapitre 10. Lisez chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Le verset 23. Et tenez à tout comme il balaye la maison. Est-ce que vous nous suivez? Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Le verset 23. Retenez fermement la profession de notre espérance. Retenons fermement aussi ma casi penda la profession de notre espérance. Et lui qui a mis son ma camoyo, car celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Prête mon doigt, sali miso et la kawana sali sembo. Amen. Amen. Tu ne dois compter que sur la fidélité de Dieu. Yes, la fidélité. Dieu est fidèle. Et solo. Et surtout s'il fait le serment comme je vous l'avais dit. Et quand Suki a salité le col en aérien sa cuillère. Mingi mingi. Mingi mingi. S'il fait le serment comme je vous l'avais dit. Et ce qui a Kadis a fait à la pitaille le col en aérien sa cuillère. Le pays là qu'il avait juré à Abraham, Isaac, à Jacob de donner à leur fils. Et pas que nous voyons à la paix par Abraham, Isaac et Jacob après sa banane. On dit à cause de cela. Et pas la tine en aérien. Toi, retiens ferme la profession de notre espérance. Yossi mama kasi. Et ça, les liens de la mission. Les versets 24. Taratas, Pumbayabine. Veillons les uns sur les autres. Ton Saint-Gela, Bamoko Likolo na Basusu, pour nous exciter à la charité. Ah, pour la comme mama na Olingo. Et au bon essai. Mais qu'on tombe la mission à la moukati na Bissou. Tel que nous sommes là. Mais nous devons nous veiller les uns les autres. Et c'est la maman. Parce que nous sommes une famille. Et pas qui sont nous faisons les voyages vers le ciel. Nous ne devons pas être réticents les uns les autres. Nous ne devons pas être les membres d'une église où les gens s'évitent. Il y a des groupes et des gens dans l'église. Oh, bateau, bassanana, dans ma boîte, l'église. Non! Nous devons nous veiller les uns les autres. Et c'est l'innocence de la maman, on peut pas m'en sortir. Parce que la promesse d'entrer dans les repos subsiste encore. Si tu vois ton frère dans les mâles, va avec douceur. Ne les médis pas. Il y a que tu l'as été, tu l'as été. Parle de lui. N'agit pas bien. Il faut changer cette manière de faire les choses. La Bible dit, si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Parce que l'objectif, ce n'est pas de l'humilier. L'objectif, c'est de gagner, de continuer la marche. Nous ne voulons pas qu'aucun de nous ne se perde sur la route. Les uns sur les autres. Afin de nous exciter à l'amour. Et aux bonnes œuvres. C'est ce que la Bible dit. Continuons. Verset 25. Oui. N'abandonnons pas notre ensemble. Continuez. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous. Et cela d'autant plus que vous voyez approcher les jours. Ah, voilà pour la mi-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 
parle l'ensemble local ici. C'est pas notre église locale. Parce que je n'ai jamais entendu quelqu'un dire. Tu es allé là-bas. La Bible dit. N'abandonnons pas notre ensemble. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. C'est pourquoi il dit n'abandonnons pas. Toi tu n'es pas là. Pourquoi tu dis ça? Mais il dit n'abandonnons pas. Alors toi tu c'est là venir quoi? Il y a un des autres qui avait pris l'habitude d'abandonner la foi. Abandonner la parole. Comme les gens là au désert là-bas. Nous avons une assemblée. Jésus avait dit où se trouvent les cadavres. Là, il y aura l'assemblée des siècles. C'est de cette assemblée-là que Jésus parlait. L'assemblée de la parole. C'est pourquoi il dit au verset 26. Mais rapide. Le verset 26. Il dit ceci. Si nous péchons volontairement au qui après avoir reçu la connaissance de la vérité, vous voyez l'abandon de l'assemblée. On dit c'est péché volontairement. Après avoir reçu la volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. Peut-être que nous sommes ici. Nous te prêchons la vraie parole. Mais à un certain moment, tu rentres dans le monde. Et bien, tu as abandonné l'assemblée. Nous te prêchons l'enseignement de la grâce. Et bien, tu rentres là-bas à Kimbangu, là où tu étais. Tu commences à prier, papa Kimbangu et maman Mouille. Papa Kimbangu et maman Mouille. Tu as abandonné l'assemblée. Yo, tiki, yangani. Tu as péché volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. Yo, sumuki na bopete, motema mopima na sima koza boye bien sûr. C'est comme ces gens-là dans le désert qui avaient fabriqué le veau d'or. Ce n'est pas l'ensemble comme ça à l'église locale, non. Mais c'est la foi au vrai enseignement. Amen. C'est pourquoi on dit, si nous prêchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, qu'est-ce qui reste? On dit quoi? Il ne reste plus de sacrifices pour les péchés. Donc pour toi, bon, il n'y a plus de sacrifices pour les péchés. Mais quand même l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, Il n'y a plus d'effet sur ta vie. Il n'y a plus de sacrifices. Mais quand elle est ressuscité, toutes les prières que les saints feront à ta faveur, et seront nulles de nul effet. Parce que tu as abandonné l'ensemble. Alors c'est représenté comment? Vas-y. Mais une entente terrible du jugement. Ah, on dit qu'il n'y a plus de sacrifice pour toi. Mais qu'est-ce qui t'attend? Un jugement terrible. Et ça me serait à Kanda. Un jugement terrible, frère. Et ça me serait à ma case. Et quoi? Et l'ardeur de fait qui dévorera le rêve. Amen. Amen. Ami, c'est ce qui t'attend. Parce qu'il n'y a plus de sacrifice pour toi. Mais là, on compare ça à la loi. Et on dit au verset 28. Balobina
Moïse. Mère sans miséricorde. Et si la disposition sur la si la déposition de deux ou de trois témoins. Parce qu'il a violé la loi de Moïse. Verset 29. De quel pire châtiment? Pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le fils de Dieu moto oyo anyati na makolo na ye mwana nzambe qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance makila eso pana le kulu su pona boyokani ya moni yango pa matina te par lequel il a été sacrifié, sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. On dit, quand cette personne a quitté l'assemblée, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le fils de Dieu Jésus. L'auteur de notre rédemption. J'ai ce fils de Dieu Jésus. Jésus est l'auteur de notre rédemption. Il est fou au pied. Dans les versets sont dit, Jésus, il est aimé encore à la croix. Quand tu laisses l'enseignement, tu as pris Jésus. Jésus qui était ressuscité, toi tu l'as pris encore. Tu l'as déplié de ses vêtements contre ces gens-là. Tu l'as crucifié encore. Tu l'as exposé à l'ignominie. Tu as pris le sang de l'alliance qui t'a sanctifié. Aussi, maquila boyokanye pète la guillotine. Ah, pas mal. C'est ça que tu as abandonné la parole pour la vie du monde. C'est ça, abandonner la parole pour la vie du monde. L'acte là, c'est que tu as fait. Et que l'on a abandonné l'assemblée. Tu as aimé Jésus à la croix pour que les gens se moquent de lui. Les gens le trouvent incapable. La vie que tu as commencé à mener. Tu as profané le sang qui t'a sanctifié. Tu as blasphémé contre l'esprit, tu l'as outragé. Pourquoi c'est comme ça? J'ai dit que tout camolimo. Pourquoi c'est comme ça? Parce que Jésus est mort à la croix. Par son sang. Il nous a sanctifié. Maintenant, on nous a donné le Saint-Esprit. Vous avez déjà expliqué ça dans les cases de David. On nous a donné le Saint-Esprit. Pour obéir à Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Que nous ne puissions pas les considérer comme ces gens-là qui l'avaient crucifié. Que nous puissions vraiment les respecter. L'auteur de notre salut. C'est son sang qu'il a versé nous a sanctifié. Maintenant, nous a donné le Saint-Esprit pour ça. Et bien, ma pécibisme, mon Saint-Esprit nous prêche. Mon Saint-Esprit, allons entrer dans les repos. Donc, il y a tout le monde à la tête. Maintenant, cela se fait par les respect de l'enseignement. Il y a un horizontal, ça va la photo, ça dit la question. Et là, quand tu abandonnes l'enseignement, et dans mon horizontal, il y a la question. Cela veut dire que tu ne respectes plus Jésus. Il y a un horizontal, c'est sûr. Il a pris Jésus. Il est sûr. Il l'a traité comme les Juifs l'avaient traité ces jours-là à Golgotha. Il y a un signe de la vie de ma salle. Tu as pris ces gens-là qui vous avaient sanctifié là. Aussi, ma kilo est peut-être la vie. Considéré comme tous les sangs des bouquets de taureaux et de malfaiteurs. On m'a dit encore quoi, ma kilo est la ngombe, ma kilo est la tato. Et le Saint-Esprit, qui te prêchait ces choses-là, il a blasphémé contre lui. Il a tout dit, il n'a pas fait cas de lui. Il a tout dit, il a tout dit. Pourquoi pour un tel?
je dis pour un tel homme, il n'y a pas de sacrifice pour toi. Pour la aimer, quand je me rends t'exhorter. Ne fuis pas la parole de Dieu. Mais si la parole est dure. Si la parole ne fait que te reprocher. C'est pour ton bien. Et ça la ne reproche pas tout le monde. Il y a des gens sur la terre. Et mais Dieu les a abandonnés comme ça. Il promet seulement que toi tu sois réproché. On a ni dit tout à l'heure, pas mais la parole. Je suis parfois malade. Mais on suit nos obédiens. On vient au culte. Rien à faire dans la salle. Dans la semaine. La bataille pousse. Il y a presque personne dans la salle. Et puis à ta bataille, vous allez voir, il y a certaines personnes qui ne travaillent pas. On se voit la bataille, nous pas qui ne paient ni salade. C'est seulement les jours du culte. Il refuse de venir. Et il se plaise de rester à la maison. Non, frère. Tu vas te retrouver déjà très loin. Tu dois écouter la parole tous les jours pour affirmer ta foi. Amen. Parce que si tu n'écoutes pas la parole, tu vas te retrouver loin du Seigneur. Je vous dis, s'il y a un vide, il y a quelque chose qui doit les remplacer. Si Dieu ne remplace pas, ce qu'ils avaient, Dieu ne met pas quelque chose. Ce qu'ils avaient, Satan viendra remplir ça. Satan a voyagé au temps du Seigneur. Aimer que ta vie soit remplie de la parole de Dieu. La parole de Dieu habite en vous abondamment. Toi qui ne viens pas à l'église écouter la parole. Toi qui ne viens pas même prier pour ta vie. Tu vas abandonner la foi. Tu vas te retrouver déjà très loin. Ce sera impossible pour toi. C'est ça l'objectif de Satan. Écoute la parole le dimanche. C'est difficile que tu croises convenablement. Et ça dit pas si on la paix, c'est difficile. Et ça dit pas si tu croises convenablement dans le Seigneur. L'église, c'est une grande église. Et tous les voyant, la voyant seulement comme ça. C'est une grande église. Et là, l'église, mon à chaque fois que je prêche ici, je vois qu'il y a des visages qui sont présents. Il y a des visages qui ne sont pas là. Quand d'autres visages que j'avais vus ne sont pas là, d'autres visages qui les remplacent. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens. Et si nous venons, nous tous nous pouvons remplir même là-bas. Ce qui nous fait notre tête, on prend la tête au Kéti. Mais seulement les gens n'ont pas l'amour de la parole. Le Seigneur te dit, si vous écoutez ma voix, n'utilisez pas vos cœurs. Parce qu'il faut prendre garde. Il arrivera, il ne te reste aucun sacrifice pour le pardon de tes péchés. Tu te trouveras déjà très loin de la parole de Dieu. Et ce sera impossible pour toi de revenir. Amen. C'est pourquoi Paul dit, efforcez-vous d'entrer dans les repos de Dieu. Les choses de Dieu, ce sont des efforts, on fournit des efforts. Si tu veux être affermi dans la parole, tu dois t'efforcer dans la foi. J'ai expliqué ça ici le vendredi. Tu dois fournir des efforts. Venir au culte, surtout les cultes. C'est très important pour toi. Et ça, dit, à la place de te retrouver très loin. Paul disait, pour la manière qu'on a le livre des Hébreux, c'est un livre très riche, frère. Et la ligne, il dit ceci. Alors, dis-moi, il dit, mes frères, attachez-vous aux choses que nous avions entendues depuis le commencement. Qui n'a pas de
Attachons-nous à ces choses-là. Peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Il y a possibilité que tu sois emporté loin des choses de Dieu. Et là-bas, Satan va te cribler. Et puis Satan va loin de la foi. C'est le jugement terrible de Dieu. Et ça, tu peux te voir prospérer financièrement. Tu vas te prospérer matériellement. Tu as un bon travail. Mais ce qui t'attend, et on est un terrible jugement de Dieu. Et ça qui se lie à patience. Lorsque les Saint-Esprit criaient, toi tu n'as pas écouté. Tu as méprisé les choses de Dieu. Tu as méprisé l'ensemble. Tu as méprisé l'église. Tu as méprisé le sang de Jésus-Christ. Tu as méprisé venir à la croix. Tu as méprisé le plus. Alors il ne te restera aucun sacrifice. On ne joue pas avec les choses de Dieu. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Osée disait, les voies de l'Éternel sont droites. Que je lise cette écriture. Et puis nous allons prier. Quand on prépare déjà un chant de méditation. Osée dit ceci. Osée, chapitre 14. Osée, mon capo, la zone animale. Il dit ceci. Il dit, au chapitre 14, dans mon capo, la zone animale. Le verset 9. T'as la taille à l'ivoire. Écoutez ce qu'il dit. Qu'est-ce que... Écoutez ce que Osée dit. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Que celui qui a sage, non. Que celui qui est sage, prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent, les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais le rebelle y tomberont. Moto ya sali moyenge bene akotambola ka pomo ya yebo biba kino pomo ya seko me yo za kotomboki oza na venir en paix oza na venir en paix amen. C'est pourquoi le Seigneur dit aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui aussi longtemps. On peut dire aujourd'hui, exhortez-vous réciproquement. Afin que tu ne sois pas enveloppé par la séduction du péché. Laissez-moi te conduire dans le repos. Dieu te donne la force, bien-aimé. Que Dieu te racine toutes les séductions du péché dans ton cœur. Tu vas te lever humblement. Humblement, lève-toi. Tu vas prier à Dieu. Tu vas lui dire. Aujourd'hui, si vous écoutez ma voix, n'adoucissez pas vos cœurs. Sunanga Jésus. Sunanga Yuan Nzambe. Yélisan Zambé à Sunayo. Yélisan Zambé à Sunayo à Salisayo. Église, les autres ont une instabilité. Mais ça me a pris sur ma casse. La parole de Dieu est habitée
en toi abondamment. On peut ça exemple été le col à batoana tomboki. Sambe la Zambé. Sambe la Zambé moli nami. Zambé a zali mawa. A go sa di sa yo, a go sunga yo. Sambe la Zambé. To sambe.